Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez derrière moi, c'est le spot que je viens de voler voilà, avec mon quad. Donc je vais vous mettre le vol tout de suite. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce qui s'est passé avec ma caméra. Et enfin voilà, je vous laisse voir d'abord. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il vous a plu ce vol? En tout cas moi je me suis régalé sur ce spot. C'est plutôt pas mal, bon en fait c'est compliqué d'entrer dans les maisons, de ressortir et tout. J'ai préféré pas prendre de risques sachant que j'avais qu'un jeu d'hélice en rab. Et du coup j'en ai cassé 4, enfin j'en ai abîmé 4. Parce que j'ai atterri sur un toit, je crois que j'ai la vidéo dessus. Et bon bref, mis à part ça c'était super. Mais à la fin de ce vol, enfin je termine ma session, hop, je le pose, je suis super content. Et là je regarde mon quad et il n'y avait plus de caméra. Genre je le vois comme ça, je fais non. Et j'essaie de me souvenir en fait à quel moment j'ai touché et ça aurait pu tomber. Parce qu'en fait ce qui était accroché ici c'était deux reels 100 comme ça. Et à mon avis il faut que j'en mette 3 parce que pourtant c'est des reels 100 assez épais quand même. Et ça n'a pas tenu. En fait c'est un moment j'ai tapé le sol et je pense que c'est à ce moment là que ça a cassé. Et c'était bien ce moment là parce que je l'ai retrouvé là-bas. J'ai pas cherché longtemps ça, j'ai cherché 5-10 minutes. J'ai réussi à la trouver parce que franchement ça aurait été compliqué quand même. Donc la leçon à retenir d'aujourd'hui c'est que même si une session se passe bien et tout, à tout moment elle peut basculer. Et surtout fixez votre caméra avec 3 reels 100 et pas 4.
Voilà. Parce que franchement, ça coûte rien, Reels en plus. Et ça peut vous sauver une caméra qui coûte 200 balles, quoi. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et ciao. Allez, à plus, bye.